Oui, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Ah, là, je suis en train de jouer à mon mode carrière. Ah, bah, pour jouer à mon mode carrière. On y est enfin, la tension est palpable et l'émotion est au rendez-vous. Décollage dans un instant. Qui va prendre le dessus dans ce choc? On va découvrir ça. N'est pas à plaindre aujourd'hui puisqu'on a le plaisir de vous retrouver en Andalousie dans les tribunes du Power Horse Stadium. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin Da Silva et c'est donc lui le moins jeune Omar Da Fonseca au programme. Donc un match de championnat. Depuis le stade, on sent l'ambiance des grandes rencontres. C'est la déception qui règne côté Betis après cette première journée. C'est dommage, les deux équipes étaient relativement équilibrées. Démarrer par une défaite, c'est toujours compliqué. Et voici donc le 11 qui va démarrer. 4-5 ans offensif ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Voilà la compo officielle. Composition assez offensive avec ce 4-5 ans ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Le Betis, une équipe dont le dernier match s'est soldé par une défaite face à l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose aujourd'hui? Effectivement, cette défaite à domicile doit s'avérer très frustrante. Et je ne crois pas que cela les mette en difficulté pour ce match. Au contraire, je le vois bien l'affronter aujourd'hui. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Attention pour mener au score peut-être. Oui, bien fait de la part du gardien. On cherche le second poteau. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion! La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau du mauvais côté. C'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match, mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Sa puissance de frappe, c'est une menace pour toutes les défenses. À tout moment, tu sais que de ses pieds peuvent sortir un missile téléguidé. Pour les gardiens, c'est très compliqué. Et le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Excellente intervention. Allez, il faut lever la tête maintenant. Attention à cette action. Ah, le ballon traîne, attention. Excellent timing sur cette interception. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Avec Zola. Gilles. Ouais, très bonne conservation du ballon.
faute, mais l'arbitre laisse jouer, avantage. Pas assez de puissance et de précision, le ballon est intercepté. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger là. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Avec Zola. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps qui est sifflée ici au Power Horse Stadium. Et pour l'instant, pas beaucoup d'occasions et dans l'ensemble, c'est très décevant ça. C'est bien de donner un coup de main au milieu pour passer les plats quand tu es attaquant. Mais ça sert à rien de descendre jusqu'à la cave pour aider. Tu n'es pas sommelier, t'es attaquant. Et voilà, le match qui reprend ici au Power Horse Stadium. Et une possibilité là pour centrer. Et le Betis qui va tirer ce corner, ça peut débloquer ce match. Le ballon sort en touche. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Et le ballon est dégagé. Interception du ballon donc. Ah, c'était un peu le feuilleton du moment, mais c'est fait maintenant. Le transfert est acté. Sans doute le dernier transfert important de sa carrière, son expérience et son professionnalisme vont faire beaucoup de bien à son nouveau club. Attention là, faut pas la perdre. Allez, ballon gagné sur ce bon duel. Odegaard avec le ballon. Oui, il y a un bon centre, attention. Danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Quand on voit ça, on est déçu, frustré même, parce que le football, c'est le désir de donner et aussi le désir de recevoir. Là, il n'y a que de la frustration dans cette rencontre. Et pour ça, il faut être plus performant à la récupération. Ah, le centre arrive dans les bras du gardien, c'est pas bien donné. Ah non, là, la balle qui est perdue.
Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Avec Zola, Warren Zaïre-Emery. Ouais, la vista avec cette passe. Et la frappe, magnifique ce contre. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Ah, le gardien se couche bien sur ce ballon. Ah, une nouvelle chance avec ce nouveau corner. Et vous le voyez au programme, évidemment, ça sera ce match à ne pas manquer et à suivre en notre compagnie. Almeria à Villarreal. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. C'est dangereux, mais finalement, c'est en corner. Et le changement est demandé et il a lieu. Voilà, ça c'est un bon centre. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire et ces deux équipes toujours très proches l'une de l'autre. Tout le monde évidemment part à l'offensive pour tenter de marquer ce but qui serait une délivrance. Et le staff décide donc de faire un changement. Et le pressing sur le porteur. Et ici l'occasion pour mener. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Allez, c'est pas terminé ce corner. C'est une occasion de but, une occasion de départager les deux équipes. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Oui, c'est bien joué, le danger est éloigné. Oh, c'est bien défendu. Et un retour de position de hors-jeu signalé, le drapeau se lève. Manque de synchronisation entre passe et réception. Le coup de sifflet final donc dans ce match, pas de vainqueur aujourd'hui, match nul entre les deux équipes. Eh oui, deux premiers matchs faits des frustrations, des déceptions. C'est mal commencé. Ils doivent absolument gagner en vitesse, en intensité, en chaleur. Il faut faire monter la température émotionnelle.